vidéo pour vous présenter les capsules 6. Alors ce sont des poupées à assembler et à habiller. Coucou à tous. Alors oui, on a reçu de la part de la marque Moose Toys les capsules Chix. Et donc c'est une nouveauté. Et en fait, ce sont des poupées qu'on doit assembler et habiller, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, on peut les modifier comme on a envie. Donc ça, c'est trop vraiment bien. Trop bien. Et moi, j'aime beaucoup le concept des boîtes. Oui, on va vous montrer ça. Pour faire sortir les petites boules. Et dans les petites boules, il y a donc la poupée, il y a les vêtements qu'on doit donc assembler pour former la poupée. Alors déjà, on va vous montrer la boîte. Comment ça se présente ? Et oui. Donc voilà, ce sont des poupées comme ceci, voilà, et donc on a plein d'accessoires afin de former la poupée en fait. Oui. Et donc c'est trop bien. Par exemple, je peux changer les poupées comme ici. Voilà, on peut les changer entre elles. Donc ça c'est trop bien. Et elles sont super jolies en plus. J'adore, elles sont trop belles. Et moi j'adore le concept. J'adore parce que ça fait comme les machines. À la fête foraine. Oui. C'est ça. Et donc c'est juste trop fun le concept. Donc alors on va regarder dans la boîte maintenant. Ce qu'il y a, commencer. Oh, c'est trop beau. Donc il y a plein de protections. On a juste la collection. Et t'as reçu les 4 boîtes, trop bien. Alors en fait, il y a 4 couleurs de boîtes différentes. Donc il y a la rose comme ça. Il y a la violette, la jaune et la bleue. Et donc nous, on a reçu les 4. Donc je te laisse tout sortir. D'accord. Et après, on montre ça. Ok. Allez, hop, on sort tout. Là, on va avoir une licorne. Ah, trop bien. Eh ben écoute, tu verras bien. Alors on a aussi eu un petit mot, voilà, donc un énorme merci à Moose Toys et à Manon. Donc en fait la marque arrive en France et ça c'est trop bien. Oui, donc c'est c'est kawaii en fait. Et oui, j'adore. Et donc voilà, c'est trop bien. Alors déjà on va enlever les protections des boîtes. Alors je vais vous les montrer de plus près. D'accord. Donc ça se présente comme ça. Voilà, les capsules Chix. C'est trop cool parce que voilà. C'est comme les machines où on met des pièces. Voilà, et en fait, moi j'aime trop le concept. Et en plus, après, on peut mettre plein de choses dedans et. Et on peut garder les boîtes si on veut. Et ça, c'est cool aussi. Donc voilà, on a la jaune qui est comme ceci. Voilà. Donc plus de 15 pièces. Alors à l'intérieur, ensuite, on a donc la boîte bleue, pareil, plus de 15 pièces à l'intérieur. Et donc voilà. Donc ce sont des capsules. Il y a 5 capsules surprises dans chaque boîte. Et on a donc celle-ci aussi, la rose. On va rassembler la poupée parce qu'elle n'est pas rassemblée en fait. D'accord, ok. Donc là voilà. Et on a donc la violet comme ça qui est juste ici. Est-ce que tu y arrives? Elles sont trop belles les boîtes. Mais moi j'adore, pense que je vais les garder. Tu vas les garder les boîtes? Bah oui. Et elles sont trop belles. On va mettre dedans et faire comme si c'était la poupée. Ouh là là, attends, j'ai enlevé ça moi. Donc voilà, là on enlève comme ça. Ensuite là on doit, il y a des petits pointillés. Et on doit tourner pour que les boules en fait, dedans il y a des petites boules. Et en fait les boules elles descendent et elles tombent ici. Voilà. Alors on va regarder aussi un petit peu l'arrière de la boîte, comment ça se présente. Alors il y a plus de 4 milliards de looks possibles. Trop trop bien. Trop cool, ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Donc c'est très kawaii, voilà. Et donc on va pouvoir commencer à ouvrir ça. Alors là c'est... Il y a le petit flyer qui est juste ici à l'intérieur. Avec donc toute la collection, c'est ça? Je pense. Donc ouais, je pense que c'est ça. Il y a toute la collection. Donc, ah non, c'est les glitters qu'on a. Alors fais voir. Donc là, les glitter and go. Donc il y a toutes les chaussures, les sacs à main disponibles. C'est-à-dire que ça, c'est les violettes, c'est les... C'est les glitters. C'est ça. Ok, d'accord. Donc il y a plusieurs collections suivant la couleur des boîtes. Je crois que c'est les bonbons. Les bonbons? Je crois qu'on verra après. Sweet Circuit, c'est écrit juste là. Ah. Tu vois, c'est écrit juste ici, les collets, c'est les rocks. D'accord. Et donc là, oui, c'est bien les giga glam. Bon, on commence à ouvrir? Oui. Alors, comment on fait? Vous prenez ça comme ça, et après, du coup, vous tournez. Et c'est trop bien. Surprise. Et voilà, et donc à l'intérieur, on a plein de boules, on en a 5 en tout. Ça. Voilà, et donc dedans on a tout ce qu'il faut pour... Les boules sont de la couleur de la boîte. Ok, et donc dans chaque boule on a tout ce qu'il faut pour personnaliser la poupée. C'est ça. C'est ça, ok.
Alors, ça se présente comme ça, dans un petit sachet. Et donc, on ouvre. Là, j'ai ça... Le haut de son corps. Donc, ses bras et son torse, mais c'est ça? Mais je pense que j'aurai celle-ci. Ah, c'est fort possible. Mais peut-être. Si c'est la même, ça veut dire que là, j'aurai la licorne, parce que c'est la licorne. Eh, peut-être. Bon, écoute, on verra bien. Oui, on découvre. Bien. Donc là, voilà, Kélia, elle a eu... le haut du corps, donc ça c'est le dos mais et là c'est contre, le devant. Mais par contre, faut pas tourner de l'autre sens, sinon les boules vont... Dans les sens des aiguilles d'une montre en fait. Voilà. Parce que là je vais tourner de l'autre sens. Il y a la flèche pour indiquer de toute façon, ça sort pas. Ça va pas sortir. Ok, donc la deuxième. Alors qu'est-ce que ça va être? Alors qu'est-ce que c'est dans celle-ci? Alors... Là, c'est sa tête. Donc là, c'est sa tête. Alors, est-ce que c'est la même? Mais aussi... Ah non, c'est... regarde. Non, mais ses yeux peuvent changer. Ah, d'accord. Il peut avoir plus... Donc là, on a eu cette tête-là avec regarde, des maman. Yeux verts. Là, on a plein de possibilités de tête. D'accord, ok. Des visages, quoi. D'accord, bon et bah. Et ça? Là, voilà, on a la tête qui est comme ça. Donc là, on a... Hop, comme ça. Et on va découvrir le reste. Et ça? Ça va en dessous du... Pour les accrocher en fait. Oui, et du coup là après je mets les jambes et si on veut bah, je peux la... accrocher les poupées dessus. Oui c'est ça. D'accord, ok. Bon on continue? Oui. Allez, hop. C'est trop bien, j'adore le concept. Ouais, moi aussi j'aime trop. Alors là j'ai eu ses chaussures. Oh, ah, elles sont trop belles. Et là j'ai son bracelet. Ok. Et son sac à main. D'accord, oui, c'est un petit sac, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être, oui. D'accord, elles sont trop jolies, moi, les petites chaussures. Trop chouettes. Et donc, il y en a encore? Bah oui, il y en a encore une, s'il y en a. Il y en a encore une? Ok. Bon, alors, je te laisse faire. Ah, il y en reste encore une après dedans. Ah, il y en a encore deux. Alors, donc, il y a celle-ci, il y en a encore une autre dedans. Alors. Alors, là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Ses vêtements. Et ses pieds, et derrière ses jambes, quoi. Alors, ok, donc on a le bas du corps maintenant, donc les jambes. Oui, mais je crois que j'ai bien celle-ci. Et tu as eu sa jupe, ok, d'accord. Et la dernière. Et la dernière. Alors. Mais ça, je pense que c'est ses cheveux. Ah, peut-être. Parce que là, on les a pas eu, ses cheveux. Eh ouais, donc ça doit être ses cheveux, alors. Alors. Tu gardes toutes les oui. Toutes les boules, oui. C'est ça. Ok. Alors. Désolée pour le bruit aussi. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai son serre-tête, il est trop beau. D'accord. C'est sa. Donc ses cheveux, ouais, donc qu'on assemble avec sa tête. Par contre, comme c'est glitter, du coup on a plein de paillettes. Et le dessus. Voilà sa tête. Et donc on assemble. Ok. Après ça, du coup, ça, je mets ça là. Et ensuite, on assemble toute la poupée en fait. C'est ça. Donc, je te laisse l'assembler. D'accord. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a elle tout est assemblé. Super jolie. Ouais, elle est vraiment trop j'adore. Belle. Donc là, c'est donc la collection JK Glam, donc glitter. Donc, on peut voir que sa perruque est toute pailletée. Oui. Voilà, elle est vraiment trop jolie. Hein. Donc voilà pour la première boîte. Oui. Maintenant on passe à une deuxième. D'accord. Donc tu veux faire laquelle? La jaune. La jaune? Ok, ça marche. Donc on va faire alors la jaune. Là, on fait ça, je l'enlève aussi ça. Ok. Et donc le concept reste le même. Donc on a le flyer, pareil que pour l'autre boîte. Et c'est pareil, on a plusieurs visages. Donc plusieurs visages. Et du coup je pense que je vais avoir celle-ci. Ok, et eh ben écoute, tu verras bien. Oui. Alors donc voilà. On continue toujours pareil, on tourne pour faire sortir les boules en fait. Tu y arrives? Ils sont juste un peu bloqués. Ok. Tous, c'est bon? Ça sort? Ça sort pas? Voilà. En tout cas, elles sont trop jolies. Hein. Super kawaii et tout. Vraiment, j'adore. Elles sont trop belles. Alors, c'est bon? Donc là, voilà, on découvre la première. Donc celle-ci, c'est la collection Ramrock. Alors. Donc là, c'est pareil, c'est comme... En plusieurs parties. C'est
une boîte jaune. Voilà, comme la boîte est jaune, les boules sont jaunes aussi. Oh, c'est trop joli. Donc là, c'est quoi? Son haut. Ah ouais, trop chou. Donc là, voilà, pareil, on débute avec le haut du corps. Ah, il voilà. Que ça. Et donc, il y avait quoi d'autre? Ah, il y avait autre chose ça aussi. Je ne vois pas. Voilà. Ça, c'est quoi veste. Ça? Ah, une petite veste. Pour mettre. Tu penses une petite veste, ça? Ah ouais. Ok, donc sa petite veste. Cool. Elle est trop jolie en plus. Elle est magnifique. Donc c'est vraiment rock, hein. D'accord, donc on l'assemblera aussi après. Alors, on continue. Est-ce que ça sort? C'est bon, hein? Alors. Oui, j'adore, c'est trop bien les poussettes. Ouais, moi vraiment j'adore aussi. Hein. Là, on dirait qu'on met des pieds, c'est vraiment. C'est trop cool. J'adore ses yeux. Alors là, on a cette tête là. Je pense que je vais changer, avec je vais mettre ces yeux là. Et en fait, oui, on peut donc les changer comme on a envie. Hein. Vraiment, on les personnalise comme on veut. Donc, on peut les changer entre elles et tout. Et ça, c'est vraiment trop fun. Donc, voilà. Alors, ensuite, le bas du corps, je pense. C'était le bas du corps après. Ouais, je pense. Je sais pas. Oui, c'est le bas du corps. Après, c'est les jambes. Chaussures et tout. Et après, c'est ça avec les... Voilà. Alors. Ah non, même pas, c'est chaussures. Ah, même pas. Ah, donc c'est là. Une fille, hein. C'est bien, bien flashy. Donc là, on a les chaussures. Son sac et ses chaussures. Donc là, c'est un petit sac à dos. Oui. Voilà. On a les chaussures bien flashy. Le petit bracelet, voilà, pareil. Là, je pense que c'est son bas. Le bas du corps. Alors. Oh, j'adore son bas. Alors donc avec, ça. Ah donc on a les jambes et on ah, a la jupe. Si c'était non en fait c'est un pull. Ah c'est un pull accroché à la taille. Mais oui. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, c'est trop bien fait. Donc voilà. Avant de me demander ses jambes. Que c'est avant je me demandais. Maintenant sa perruque. Et donc là c'est la dernière. Donc ouais, ça doit être sa perruque. Alors comment elle va être suspense. Alors, on a ça, je sais pas ah, ce que mais c'est. Qu'est-ce que c'est sa queue de cheval. Ah, mais c'est trop bien fait. C'est ça. Eh, hey, mais trop bien. Et là, et après, du coup, ça. Et là, c'est comme si elle avait une mèche. Ah, mais c'est trop chouette. Je vais la monter. Donc maintenant, on va l'assembler. Et donc, voilà la deuxième avec son petit sac à dos qu'on n'a pas encore mis. Mais elles sont vraiment trop trop chouettes. Hein. Elles sont vraiment super bien faites. Elles sont trop jolies. J'adore. Moi j'adore. Et donc maintenant. Et là, c'est bonbon. C'est un peu. Sweet Circuit Collection. Ouais, donc c'est tout ce qui est gourmandise peut-être. Bah oui. Ok. Alors bah écoute, on continue toujours pareil. Bah oui, c'est pareil. Toujours le même concept. Attends, on tourne, on fait descendre les petites boules. Hein. Je peux ça comme ça moi. Et puis par on découvre. Contre, à chaque fois, la première, elle est dure à enlever comme ils sont tous. Ouais, faut les débloquer en fait. La première. Alors, qu'est-ce que ça va être Le haut du corps encore ou pas? Oui, donc on commence toujours par le haut du corps. Ah, ça serait exactement la même. Ce sera la même. Et donc là, très, très belle. Comme ça, voilà, vert flashy. Ok. Donc maintenant, bah, je laisse Kélia découvrir la suite. Et on vous montre ça bah, une fois qu'on a tout découvert, okay, ça évite, on va pas tout refilmer, ça sert à rien. Parce que vous savez c'est quoi le... Voilà, on a compris le concept, on voit comment ça fonctionne. Donc bah on revient une fois que Kélia... C'est trop joli. Une fois qu'elle a tout découvert, ouais, c'est vraiment trop trop cool. Hein. Et voilà celle qu'elle vient d'assembler et de découvrir donc dans la boîte rose. Voilà. Elle est trop belle, hein. C'est bien le thème des bonbons, la coiffure. Ouais, elle est vraiment trop jolie. Elle est trop trop belle. Et donc maintenant, la dernière, donc celle de la boîte bleue. Et j'en suis sûre que ça va être la licorne. Ah, tu verras bien. Et j'en suis sûre. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes que celles derrière les boîtes, hein. Pas du tout, hein. Donc ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, bah, je te laisse découvrir. Et puis bah on revient après. D'accord. Ok. Bon allez, je te laisse faire. À tout de suite. Alors, elle est trop belle. Donc on a des petites ailes derrière. Elle est trop jolie celle-ci. Trop 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 canon. Moi j'adore ces poupées. Bon alors maintenant, bah je te laisse découvrir le reste. Oui, mais déjà rien que là.
Trop joli. Bah écoute, tu verras bien. On croise les doigts. Alors. En tout cas, ouais, déjà. Moi, j'adore cette collection. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Ouais, c'est super canon. Puis c'est fun le fait de devoir les ouvrir et tout comme ça. C'est moi j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup l'idée. J'adore ça. Donc ses là, yeux, j'adore ses yeux. Donc là, elle fait un clin d'œil. Voilà. J'adore ses yeux. Hop, avec un petit cœur sous l'œil. C'est trop beau. Elle va être trop belle celle-ci, je pense. Hein. Oui. Ah, c'est sûr que c'est la licorne. Hey. C'est exactement la même tête. Ah, c'est la même tête. Eh ben écoute, tu verras bien. Allez, on découvre le reste. Vas-y les doigts. Licorne ou pas licorne? Non, c'est sûr, c'est la licorne. Eh ben écoute, on espère. Bah oui. Donc là, on a les petites chaussures toutes mignonnes comme ça. Le sac à main, voilà. Le petit bracelet bleu qui est juste ici. Et il en reste encore quoi? Une, deux? Alors, il en reste deux. Une qui est dans la boîte et une que j'ouvre. D'accord, ok. Donc c'est bientôt fini. Alors. Ah, oh, j'adore! Donc là, on a ses jambes et la jupe. Ok. J'adore. Et donc ensuite, la tête. Donc vous voyez la perruque. Donc est-ce qu'il y aura la corne de licorne ou pas? Alors. Suspense. Mm-hmm. Bon voilà, c'est bon. J'adore ses cheveux. Ouais, donc c'est bien la tête. De licorne, la corne de licorne. Avec la petite corne de licorne, voilà. Oh là là, j'adore. Elle va être trop belle celle-ci une fois assemblée. Bon, comme on l'assemble. Ouais, comme toutes hein. Donc on l'assemble et puis bah, on revient juste après. Et donc voilà ce que ça donne une fois tout assemblé. Et elle est vraiment trop belle. Vraiment, je les adore tous. Et moi, c'est mon coup de cœur celle-ci hein. Moi, c'est pareil. Elle est trop canon. Et donc on peut les personnaliser comme on veut. Si on veut mettre la tête de celle-ci sur celle-ci, on peut. Si on veut mettre les jambes de celle-ci sur celle-ci, on peut aussi. Vraiment, on fait comme on a envie. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Vraiment, j'aime beaucoup le concept de ces capsules Chics, des poupées kawaii trop belles. Et le concept trop cool. Moi, j'adore ça. C'est trop cool, hein. Athéna, j'ai fait plein de bisous. Mettez des pouces bleus, surtout. Abonnez-vous. Ciao, bisous.